Salut à tous, nous voici pour une nouvelle partie de World of Tanks commentée. Cette fois-ci, je vais vous présenter une vidéo faite par Flav0604 de notre clan. Donc il est avec le LCAMX, donc vous avez déjà pu voir sur la chaîne des vidéos de ce petit char. Et là, vous allez voir comment il est joué par une autre personne que moi. Donc on va analyser tout ça. Donc au niveau matchmaking, on voit que son équipe est donnée perdante. En fait, c'est plus parce qu'en face, les gros tiers, il y a beaucoup plus de blindage en face. En fait, c'est surtout pour ça. Donc petit avantage l'équipe adverse. Il est sur mur au 24 face à du 8 avec son petit ELC qui en tire 5. Donc je vous refais pas le topo, mais le canon et ainsi de suite, hein, vous connaissez maintenant. Si vous le connaissez pas, je vous invite à aller voir les autres vidéos de LCEMX où je fais vraiment un topo dessus. Donc là on peut voir que en face, bah, comme je vous disais, il y a beaucoup plus de blindage, vous voyez qu'il y a plus de lourds. Voilà, méfiance. Donc sur Muro 20K, comme vous le savez, ici souvent c'est du médium, ici c'est du lourd qui se tape dessus avec du TD en position arrière, et puis ici quelques petits légers qui viennent me fouiner. Voilà, tout ce que je vous disais, voilà, ça arrive. Donc vous voyez qu'avec cette nouvelle mise à jour, il y a des petites différences. Vous voyez qu'il y a des nouveautés au niveau de mes modes. Hein. J'essaye des nouvelles choses. Et vous allez voir aussi quand je vise un char, en fait il y a une petite indication. J'ai voulu tester, j'en ai pas vraiment besoin, mais je me suis dit bah tiens pourquoi pas, parce que je connais pas non plus tous les chars. Donc ça peut aider des fois. Et puis ça me permet de d'améliorer mes compétences sur le jeu, mon expérience plutôt. Donc voilà, de combler les petites lacunes que je pourrais avoir sur certaines choses. Donc là, pour l'instant, c'est purement du spot. Hein. Il n'y a pas vraiment de solution de tir. Là, on voit le MT-25 qui va chercher l'arty. C'est un petit peu trop tard, hein. Devrait être sorti. Quoique, voilà, on voit que les deux panthères l'ont vu. Il le course, mais il est déjà sur l'arty. L'arty essaie de se sauver. Il y a un petit tir qui ne passe pas. C'est bien dommage. Et voilà, l'arty est sorti. Maintenant, c'est autour du MT-25. Mais du coup, ils ont plus d'arty. Donc, ils ont déjà un désavantage. Ils perdent déjà deux chars. Et là, vous voyez, il y a une masse qui arrive ici. Pendant que son équipe, une grosse partie, est partie de l'autre côté. Et sans surprise, on retrouve. En fait, l'équipe adverse s'est bien dispersée, vous voyez. Ils ont bien dispersé leur blindage, leur type de char. Ce qui fait qu'ils sont un petit peu coincés dans l'équipe de Flav parce que ils sont un petit peu faibles de ce côté-là. De ce côté-là, ça va, mais vous voyez, en fait, ça ne pousse pas trop. Donc ça devrait lâcher. Donc là, il les spot, il recule intelligemment. Et à regarder le positionnement qu'il va prendre, très bien, par rapport au décor, il va juste dans un petit trou, ce qui lui permet de juste faire dépasser un bout de son char. Une fois qu'il a mis un shoot, voilà, il recule et là, il peut plus être touché. On va essayer d'en caser un second. Voilà. Donc il fait un ciblage automatique à chaque fois. Ça c'est, je pense qu'il a dû regarder la technique. Et il l'applique et vous voyez ça marche plutôt pas mal. Après il faut pas le faire non plus de très très loin, il vaut mieux bien viser. Mais à courte distance c'est assez efficace comme technique sur ce char. Donc là comme je vous disais en couleur 9-0, vous voyez c'est en train de lâcher plus ou moins. L'équipe adverse joue pas trop mal. Ils sont en train de vraiment nettoyer la forêt. Donc de ce côté là il faut pousser, c'est ce que fait Flav, vous voyez, en fait il va inciter son équipe à avancer un petit peu. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Donc là le Bulldog prudence, il spot le VK. Là le bulldog il va bien les enquiquiner.
Donc là, dans ce genre de partie, hein, le LC c'est un spotter et puis c'est surtout un char de soutien. Il n'est pas là pour aller au contact. Donc là, vous voyez le soutien descendre les PV petit à petit. Sort un canon. Il est sorti, malheureusement le panthère qui a fait un très bon boulot est sorti aussi. Pendant ce temps là la forêt a lâché et ils sont revenus au score. Donc la flave maintenant c'est à lui d'aller chercher l'artie, de moins la situer. Il faudrait l'éliminer, ça peut être sympa. Il est visé, il se met à l'abri, il tente un tir, mais ça fait une taupe. Donc là, la MX qui vient aider. Voilà. Mon timing. Et là, l'équipe est en train de caper un char. Donc c'est soit le VK, soit l'IS-3. C'est le VK. Vous pouvez voir l'indication sur la map. Et là les deux IS-3 sont en défense de base. Donc vous voyez Wargaming a aussi fait sur les versions de test. Vous ne voyez plus le temps de réticule du char. Vous avez vraiment plus d'indication sur les replays. Ça ne bouge plus vraiment. Donc là, Flav voit que le L4 ne bouge pas ses fesses pour aller des caps. Donc il y va. En même temps, quand vous regardez le WN8, bon, on peut comprendre. Hein, c'est un débutant, il n'ose pas. Alors qu'il est full PV, c'est un tier 6. Bon. Voilà, ça y est, il se dessine un petit peu. Ça risque quand même d'être limite. Dans ce temps-là, la MX tient à distance des deux IS-3. Donc là, il évite tous les décors. Il ne peut pas perdre de vitesse. Donc ça, c'est bien. Par contre, il est spot. Donc j'imagine qu'il est dans le buisson là. Voilà, nickel. Donc là, il prend bien le temps de vraiment toucher. Il répare tout de suite son moteur. Là, il s'en est pris une sévère. Ce qu'il faudrait, c'est que le L4, il le sorte. Lui met le feu, donc ça c'est bien. Nickel. Voilà. Et pendant ce temps-là, Flav survit parce que à tous les coups, il risquait de se prendre un dernier shoot et être sorti de la partie. Par contre, là, il est toujours en lice. Bon, mauvais état, certes, mais il est toujours opérationnel. Donc là, je vais avancer un petit peu. Est-ce qu'il y a du roulage? Donc là, il est en train de chercher quoi faire. Et voilà. En fait, il va essayer de les spot par derrière. Donc ça, c'est bien, bien vu. Donc là, je vous mets en accéléré parce que c'est du roulage. Donc il roule, il roule, il roule. Essayer de repérer les IS-3. Donc on imagine qu'ils ont dû rester à leur place ou qu'ils sont restés en vie. Donc voilà, on l'a un de repéré, il est one shoot up par Flav si besoin. Donc là moi je me serais mis derrière un buisson. Là il préfère rester à découvert histoire de le spot. Il faut vraiment se planquer avec ce char, hein. Il est petit, filet de camouflage, j'imagine qu'il a full compétence sur le camouflage. Plus un buisson, vous êtes pratiquement invisible. C'est ce qu'il fait, il se met dans un petit. Donc là il est il peut sortir l'IS-3, donc il prend le temps, réticule, et là ça ne passe pas. Donc il donne l'indication de son temps de tir. De reload, pardon.
Et voilà, le deuxième spot. Donc il la joue vraiment défense, hein, les deux IS-3. Donc le L4 qui essaie de les aspirer. La MX qui est one-shootable, donc il reste à l'abri, bien évidemment. Et là, c'est un petit peu de patience. Ça serait bien qu'il y ait un tir qui passe. Ils sont bien planqués. Allez, celui-là, ça devrait le faire. Voilà, nickel. Allez, le petit dernier. Rien n'est joué encore, il suffit juste d'être bien synchro avec la MX, donc faut espérer que la MX voilà, il avance un petit peu, il a compris le truc. Faut vraiment y aller ensemble, à la rigueur il en détruit un, mais sûrement pas les deux. Voilà, Flav est repéré, normalement le canon va se tourner vers lui. Qui préfère s'occuper. La MX et la partie finie sur une belle petite victoire. Bien joué à la MX de son côté. Je vous mets donc les résultats de la bataille. Vous pouvez voir que bah, il a fait l'as du char. Une bonne défense. Et puis cette médaille, je sais plus trop. Je crois que c'est... je connais plus le nom. Je crois que c'est parce que il a détruit des chars supérieurs à son rang. Donc c'est une médaille particulière. Au niveau des dégâts, vous voyez que c'est pas dégueulasse, hein, 1453 de dégâts, et la MX qui a fait une très bonne partie aussi. Par contre, c'est Flav qui a le maximum d'XP, normal, parce que c'est un tier 5, il a fait l'as du char, une grosse partie avec son petit tank. Vous voyez qu'il a fait 14 tirs, 11 qui touchent, 8 qui percent, donc c'est pas mal, hein, c'est même très bien. Et puis les dégâts par détection, bah, il y en a pas énormément, par contre, il y a beaucoup de points de défense. Donc ce qui fait qu'au total, ça lui rapporte l'as du chat. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!